Étape 1. Personnaliser votre application. À partir de cette interface, vous allez pouvoir créer en quelques clics votre application personnalisée. Pour la création de l'icône et de la page de chargement de l'application, utilisez nos outils et notre bibliothèque. Ou importez directement vos éléments graphiques. 1024 x 1024 pixels pour l'icône et 1296 x 864 pixels pour la page de chargement. Fichier JPEG ou PNG. Après la création de votre icône et de votre page de chargement, n'oubliez pas de personnaliser votre application en allant dans les rubriques Aspect général, Boutons et Images. Ces rubriques sont accessibles sur cette page à côté de l'onglet Icônes et Pages de chargement. Utilisez nos outils Nuancier, Choix d'ombre pour créer les bandeaux et l'arrière-plan. Vous pouvez voir l'apparence de votre application à travers le simulateur. Une fois que vous êtes satisfait, confirmez votre design en cliquant sur le bouton correspondant. Étape 2. Insérez vos textes, vidéos et photos. Sur cette interface, vous allez pouvoir enrichir quotidiennement votre application. Présentez vos produits. Actualisez votre contenu. News, photos, vidéos. Gérez vos alertes. Mesurez vos performances. Accédez à votre compte, etc. Cet outil vous permet de mettre à jour les contenus de votre application iPhone et Android en toute simplicité. Étape 3. Testez votre application. Une fois votre application créée, vous recevez un mail contenant un lien vous permettant de la tester. Étape 4. Publication sur les stores. Merci et à bientôt sur MyApp.